nous entendons par Joseph Kabila Kabange chez nous, chez Apreco, dans FCC. Joseph Kabila Kabange a cessé d'être une personne physique. C'est devenu tout un personnage. Comme chacun de nous est appelé à vivre et à disparaître, mais sa pensée va rester. Pour le reste de temps, pour autant que l'on parle de la démocratie dans ce pays, nous savons depuis 60, à l'avènement de Joseph Kabila, la démocratie a été enseignée selon plusieurs écoles. Il y a même ceux qui ont enseigné la démocratie pour brûler les édifices publics. Mais Joseph Kabila nous a appris comment il faut la démocratie, qui a même débouché sur un bon résultat, celui de passation de pouvoir pacifique. C'est cette idéologie-là qui constitue son personnage et qui va rester pour toujours ancré en nous. Et à ce titre, il devient immortalisable. Donc, ce que nous voulons et que nous enseignons et que nous avons enseigné et que nous enseignerons toujours, c'est Joseph Kabila Kabange. Et nous n'avons pas promis dans ce pays, il n'y a pas un professeur mieux que Joseph Kabila. Et son école à lui, c'est une école qui est enseignée dans tous les quatre coins du monde. On le prend pour le modèle en Afrique. Donc vous comprenez que nous n'avons pas commis l'erreur. Nous résistons parce qu'on ne veut pas prendre le train de la déviation. Nous voulons plutôt prendre le train que Joseph Kabila a mis sur les rails et que l'on a bloqué par la dictature. Voilà ce que nous pensons chez nous, chez Apreco, et que nous allons échanger pour mûrir davantage ce que nous voulons être chez FCC.